La monnaie, pour vous, c'est sans doute les billets et les pièces que vous utilisez tous les jours. Aujourd'hui, les billets et les pièces ne forment qu'une petite partie de la monnaie en circulation, moins de 10%. Les 90% restants, ce sont les sommes inscrites sur vos comptes bancaires, ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Mais alors, qui crée la monnaie? Tentons l'expérience. Imaginez que vous souhaitiez acheter, je ne sais pas moi, une boîte de clous. Mais vous n'avez rien pour la payer. Vous inscrivez sur un bout de papier la promesse de rendre en retour une boîte de clous à toute personne qui détient ce papier. Cette promesse, c'est une dette pour vous. Et ce qu'on appelle une créance pour celui qui la détient. Vous venez de créer, en quelque sorte, votre propre monnaie. Vos amis acceptent de s'en servir car ils ont confiance en vous pour acheter un chou, un hibou ou encore un caillou. Mais cette monnaie ne vaut rien en dehors de votre petit cercle. Et si vous émettez beaucoup de promesses de papier, vous risquez de devoir rembourser autant de boîtes de clous. À plus grande échelle, ce sont les banques qui créent de la monnaie en octroyant des crédits. Vous allez comprendre. Imaginons que vous vouliez acheter un ranch. Mais compte tenu de vos revenus, il faudrait économiser pendant 10 ans pour pouvoir le payer. Et 10 ans, c'est long. Votre banque, la banque Ease, vous propose de vous prêter 100 000 Ease que vous rembourserez en 10 ans avec des intérêts en plus. Regardons ce qui se passe du point de vue de la banque. À son actif, elle indique ce qu'elle possède. Elle inscrit donc la promesse que vous lui rembourserez 100 000 Ease. Simultanément, la banque indique à son passif tout ce qu'elle doit. Elle inscrit les 100 000 Ease sur votre compte, 100 000 Ease qu'elle crée pour l'occasion. En bref, pour créer de la monnaie, on dit que les crédits font les dépôts. Avec cette monnaie, vous allez pouvoir payer le ranch de vos rêves. Mais revenons en arrière. Si la propriétaire du ranch était cliente de la banque Ease, les Ease circuleraient sans aucun problème entre les comptes de la même banque. Manque de chance. Elle est cliente de la banque HAL, qui crée sa propre monnaie, le HAL, et refuse catégoriquement les Ease. Eh oui, les clients de la banque Ease représentent du monde, mais pas tout le monde. Et la vie ne serait pas facile si chaque banque créait sa propre monnaie. Pour que les échanges se développent, il faut donc qu'une monnaie soit acceptée par le plus grand nombre. C'est pourquoi l'État intervient pour en imposer une. Appelons cette monnaie l'euro, puisque c'est la monnaie qui a cours légal en France et dans la zone euro. L'État a confié la gestion de la monnaie à une institution, la Banque centrale. C'est une sorte de banque des banques. Toutes les banques commerciales ont un compte à la Banque centrale exprimé dans une même monnaie, appelée monnaie centrale, ce qui facilite les échanges entre les banques. La banque Ease va transférer de la monnaie centrale à la banque HAL pour l'achat de votre ranch. Mais si la banque Ease n'en a pas assez, elle peut emprunter à la banque centrale qui va créer de la monnaie centrale contre une promesse de remboursement. Les banques doivent veiller à conserver des sommes suffisantes sur leur compte à la banque centrale. Si une banque accorde trop de crédit, elle va devoir faire face à ses engagements, car ses clients peuvent à tout moment utiliser la monnaie présente sur leur compte. Cela limite la création monétaire par les banques. Ce sont donc les banques commerciales qui créent la majeure partie de la monnaie, principalement par le crédit. Le rôle de la banque centrale est d'assurer la stabilité de ce système et la confiance accordée à la monnaie. Finalement, créer de la monnaie, c'est créer des promesses. C'est donc une histoire de confiance, sinon la monnaie ne vaudrait pas un clou.